Bonjour à toutes et à tous, c'est Chacha38 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai donc décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler en fait de Tor. Alors qu'est-ce que c'est Tor ? Donc Tor c'est un réseau caché en fait, une sorte de face cachée d'internet donc qui est représenté ici comme sur ce logo en fait avec un oignon parce que c'est parti en fait d'un internet qu'on appelait Onion Router. Donc en fait celui-ci avait pour base de rendre internet libre en fait et de rendre surtout anonyme les gens qui l'utilisaient. Donc en fait voilà, on ne sait pas trop pourquoi mais ils ont choisi un oignon pour représenter leur logo et donc maintenant ça s'appelle bel et bien Tor. Donc avec Tor on peut faire plein de choses et je pense que si vous êtes ici c'est parce que vous avez sûrement entendu parler du darknet, du deep web ou encore de Tor tout simplement, ou tout simplement vous voulez savoir comment ça fonctionne. Alors c'est très simple, donc vous voyez sur cette photo, en fait ici on part donc de votre ordinateur qui est Alice par exemple, et donc en fait votre ordinateur il va passer sur Tor par plusieurs serveurs et donc plusieurs ordinateurs pour brouiller les pistes et donc pour rester anonyme en fait. Et c'est pour ça que tout le monde utilise Tor en fait et qu'il y a beaucoup d'escroquerie en fait et de contenu illicite et de vente illicite de marché noir en fait. Vous voyez ici si on suit les flèches, à chaque fois que vous allez changer de page en fait vous allez changer de chemin pour brouiller les pistes de Tor. Je suis désolé, j'ai une petite erreur, c'est normal. Et en fait là par exemple vous allez aller jusqu'au serveur Bob et vous allez repartir. Vous allez, à chaque fois quand vous changez de page, vous allez en fait changer de chemin afin de brouiller les pistes et donc que personne ne puisse suivre votre trace en fait. Même si c'est tout à fait possible, mais bon, il faut être vraiment très fort ou être du FBI, enfin voilà. Même parfois le FBI n'arrive pas à retracer des IP qui sont passés par Tor. C'est d'ailleurs là où passent certains malfaiteurs. Hein. Et donc c'est pour ça que je vais vous déterminer les risques et les conseils à prendre sur Tor. Donc lorsque je vais montrer comment aller sur Tor, donc ça va être très simple. Donc en fait Tor c'est surtout utilisé pour les ventes de marché noir, les escroqueries, la pornographie aussi. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc je vais vous mettre un lien si vous voulez y aller dessus pour l'installer. Donc vous aurez ce petit dossier, vous avez juste à installer Tor. Et vous aurez ce petit dossier, vous allez donc cliquer directement sur Start Tor Browser. Donc comme j'ai moi ici, donc un petit raccourci. Et en fait, ça va ouvrir donc une page avec donc votre nouveau navigateur. Hein, puisque je rappelle que Tor est un navigateur de l'Internet profond, donc ça veut dire... En fait c'est le deep web, l'internet profond c'est le deep web, c'est l'internet où on ne peut pas accéder avec Mozilla Firefox, Google Chrome ou encore Internet Explorer. Donc vous voyez ça ressemble étrangement à un mix de Google Chrome et de Mozilla. Donc voilà comment c'est fait. Moi pour rajouter de l'anonymat, vraiment que je sois anonyme, je vais activer mon VPN. Donc vous pouvez voir la vidéo. Pour avoir un VPN, j'utilise bestukvpn.com. Vous pouvez le trouver donc gratuitement sur internet. Je vous mets l'annonce dans la description et sur la vidéo si vous voulez aussi un VPN. Donc tout de suite on va passer sur Tor. Et donc je vais commencer par vous montrer en fait le sommaire en fait du Darknet. Alors en fait c'est des liens en .onion. C'est différent de .com, .fr, etc. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut aller très bien aller sur Google, etc. Donc ça, en fait, ça prend en compte l'internet où vous êtes et l'internet profond. Et donc vous allez voir que je vais vous mettre des liens en .onion. Alors ces liens, en fait, ce sont des liens qui sont accessibles uniquement sur le deep web, donc c'est-à-dire sur Tor. Donc voilà, vous pouvez voir ici que ça ressemble exactement à l'internet normal. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez l'installer et très bien utiliser Internet normalement juste pour vous rendre anonyme sur des sites, etc. Mais sachez que si vous allez sur Facebook, là, vous ne serez pas anonyme. Et sachez aussi que ça modifie votre position géographique, donc ça vous rend totalement anonyme. Donc si vous êtes en France, on va croire que vous êtes aux États-Unis si on veut retracer votre IP, par exemple.
Donc tout de suite, je vais rentrer donc le The Hidden Wiki. En fait, vous allez voir que ça ressemble étrangement à Wikipédia, mais en fait, ça a été une reprise. En fait, c'est pour montrer tous les sites qui passent dans le Deep Web. Donc ici, j'ouvre le lien du vrai Hidden Wiki, sauf qu'il me semble qu'il ne va pas très bien s'ouvrir parce qu'il y a eu quelques bugs à ce moment-là. Il me semble qu'il y a eu des maintenances, il y a toujours des sites qui se rajoutent. Bon, si vous avez ça, c'est normal, vous pouvez relancer The Hidden Wiki. Et donc, je vais vous en montrer plusieurs aussi. Il y a plusieurs alternatives donc de Hidden Wiki. Donc là, je le réouvre très facilement. Et donc, si vous voulez savoir pourquoi je m'y intéresse, en fait, c'est tout simplement parce que j'aime bien découvrir tout ce qui concerne Internet. Donc ici, Looking for the Hidden Wiki, donc il y a juste à cliquer sur le lien après, donc, que je vous montrerai plus tard. Donc ça va être très simple, hein. Vous avez juste à taper The Hidden Wiki dans Tor, et puis vous prenez les petits liens qui se trouvent sous thehiddenwiki.org, vous les avez, et ils sont en point onion, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc voilà, on va tout de suite retourner sur The Hidden Wiki. Donc je vais vous présenter aussi le forum, parce qu'il y a plusieurs forums en fait sur ce deep web où il y a des forums français, des forums internationaux où les gens discutent. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc là, je relance The Hidden Wiki. Vous inquiétez pas, vous, ça ne va pas bugger comme ça. Moi, c'était normal des fois de temps en temps. Et j'ai oublié de vous dire une chose, donc ça baisse votre connexion internet, c'est tout à fait normal hein. Tant que vous avez Tor. La connexion internet est minimisée, c'est normal, vous passez par plusieurs serveurs. Et donc là, tout de suite, je vais vous montrer donc, le sommaire de Tor Wiki. Donc ça, c'est une alternative. Et moi, celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a marqué en fait tout ce qui est vérifié, donc les sites vérifiés qui sont 100% vrais et les sites qui sont des scams, donc écrit en anglais ici qui signifie escroquerie. Et des sites caution, donc attention, donc il faut faire attention. Donc ici on peut voir déjà marketplace, donc ce sont tous les sites qui concernent les places de marché, enfin en gros le marché noir en quelque sorte. Ici dans introduction points, vous pouvez voir en fait Tor search, en fait ce sont que des, on va dire, des petits navigateurs qui vont rechercher que des sites en fait qui sont dans le deep web en gros. Et donc ici vous pouvez voir financial service, donc là c'est là que ça commence à être intéressant parce qu'en fait ici vous avez de la contrefaçon d'argent en euros, en dollars, et vous avez aussi des comptes PayPal, des cartes bancaires piratées que les gens revendent et que vous pouvez acheter. Donc faites très attention avec ça, c'est souvent des arnaques. Je vous déconseille de faire ça, c'est vraiment pas humain, on va dire, en quelque sorte. Et donc voilà, donc faut faire vraiment attention avec ça, les contrefaçons d'argent, etc. Et donc tout de suite, on va passer sur un site, donc pour que je vous montre, même plusieurs. Donc un site de contrefaçon d'argent, vous allez voir que les escrocs s'y prennent très bien. Donc vous pouvez voir ici les prix à l'entrée. Donc en billets de 20 euros, 5 billets de 20 euros, cela coûte 40 euros, donc soit 60 euros d'économie. Mais on ne sait même pas si on va les recevoir, donc ça veut dire qu'ils peuvent très bien vous escroquer comme ça, hein. Donc là, ils vous montrent les faux billets de 20. Et le paiement se fait seulement en BTC. Donc les BTC, c'est quoi? C'est le Bitcoin. C'est une monnaie virtuelle qui a été créée en fait anonymement. Vous pouvez en fait transformer votre argent en bitcoins pour payer anonymement, puis ensuite les récupérer en argent réel. Et donc ici, ils vous demandent de vous donner de donner votre adresse avec un logiciel pour en fait envoyer un lien qui va s'autodétruire après l'ouverture. Donc ça veut dire qu'ils vont lire votre adresse, ils vont la noter, et ensuite le lien, enfin le message va s'autodétruire. Donc vous pouvez voir ici sur The Hidden Wiki les armes, les ventes d'armes. Il y en a beaucoup aussi, je vous rassure, ce n'est pas des répliques airsoft, c'est vraiment des vraies armes.
Donc faites très attention avec ça aussi, d'ailleurs vous allez en voir par les prix. Donc, par exemple ici on a des armes de guerre, des fusils d'assaut, des armes de poing. Vous voyez qu'ils vendent internationalement, donc voilà, donc je vous rappelle que c'est illégal le trafic d'armes. On ne sait jamais si vous n'étiez pas tenu au courant. Par exemple ici on peut voir toutes les caractéristiques d'une arme de poing qui coûte 618 $, donc environ 500 euros, environ 550 euros, 520. Et donc ici vous avez tout ce qui est documents, faux papiers. Après on passe aux drogues, il y a vraiment un marché de drogue en fait avec tout ce qui est cannabis, marijuana, shit, enfin voilà, tout ça. Après dans l'électronique vous avez en fait par exemple ici des produits Apple en prix discount, donc à moins 50% voire moins 60%. Après il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, hein, je vous rassure. Ici vous avez par exemple de la contrebande de cigarettes. Du hacking, donc de l'espionnage, des matériaux d'espionnage, etc. Faites attention, je vous rappelle, en cliquant sur les liens, ne cliquez pas sur n'importe quel lien, ça peut être dangereux. Donc ici, vous avez tout ce qui correspond au web file image, donc si vous voulez stocker des données sur Internet anonymement. Ici, des blogs, des essais, des wikis, donc des gens qui écrivent des essais sur l'informatique, enfin sur un peu tout. Ici, vous avez tout ce qui concerne les forums, donc c'est ça qui intéresse la plupart des gens, c'est qu'ils vont discuter avec d'autres gens pour savoir comment pirater des cartes bancaires. Il y en a qui y vont pour en vendre, pour en acheter, des billets contrefaits. Donc voilà, il y a toute cette sorte de choses. Ici, dans Email Messaging, en fait, vous allez pouvoir créer, en payant, bien sûr, des emails anonymes en onionmail.in. Donc vous pouvez ne pas vous faire repérer, en fait. Donc c'est vraiment envoyer des emails anonymement, donc voilà, pour faire ça, il faut vraiment avoir une bonne raison, je pense. Il faut vraiment avoir envie de se cacher, parce que les emails, en général, c'est pas très surveillé. C'est surtout votre connexion, en fait, qui est surveillée. Donc c'est pour ça que je vous conseille parfois d'utiliser Tor. Enfin, je vous conseille en quelque sorte, ça peut être intéressant, mais c'est surtout en fait pour aller sur le deep web. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser un VPN. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez voir la vidéo sur bestukvpn.com, vous pouvez aller la voir, elle sera dans la description. Et donc voilà, donc c'est un peu tout ce qu'il y a sur le Tor Wiki. Et donc là, on va passer sur le vrai The Hidden Wiki. Donc c'est le site principal de Tor, on va dire. Tout le monde va sur ce site en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux fraudes en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas cliquer sur tout ce qui concerne la pornographie, les sites pour adultes. C'est vraiment dangereux. Enfin, surtout que ça ne sert à rien. Parce que sur le deep web, il y a essentiellement de la pédophilie et de la zoophilie. Et je vous rappelle que c'est vraiment illégal et c'est inhumain. Donc, faites vraiment attention avec ça. Après, si vous voulez voir des armes, etc., ça, c'est à vos risques et périls, hein, mais. Moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne puisque je n'ai jamais rien acheté. Si vous voulez acheter du hacking, etc., vous faites comme vous voulez. Par contre, vous avez tout à fait le droit de. C'est tout à fait autorisé. Il n'y a pas de risque d'aller sur Tor, ça c'est sûr. Ni d'aller sur The Hidden Wiki. Du moment que vous cliquez sur des liens, ça dépend lesquels, il faut faire attention. Si vous cliquez sur des forums, ça passe. Vous avez le droit. Vous avez tout à fait le droit de discuter avec des gens anonymement. Vous avez tout à fait le droit de cliquer sur des liens pour voir, mais du moment que vous commencez à acheter des choses frauduleuses, des billets, des comptes bancaires, etc., faites vraiment attention avec ça. Vous pouvez vous faire pister. Comme je vous dis, c'est rare, mais c'est possible. C'est difficile à pister une personne qui est passée par Tor. Donc voilà, donc ça c'est le vrai The Hidden Wiki, donc qui ressemble étrangement à Wikipédia. En fait, ils se sont inspirés de ça à la base pour en fait. Faire leur thème hein, sur Tor. Donc voilà, c'est Project Tor qui a créé ça, donc c'est un petit groupe de pirateurs. Et donc ici vous voyez donc plein de choses en français, donc il y a le French Deep Web, donc voilà pas mal de choses qu'on vient de passer. Et donc il y a vraiment toutes les langues russes, portugais, etc. Vous pouvez voir beaucoup de choses. Que des hackers ou même des créateurs, hein, c'est pas forcément des hackers qui ont fait ça en fait
pour leur langue, donc vous voyez qu'il y en a pas mal quand même en français, et que vous pouvez en fait aller voir le French Darknet, etc., avec des ventes toujours du marché noir, donc ça, faites attention au marché noir. Donc voilà, moi je vous montrais ça en fait, c'est, je vous encourage pas à y aller, c'est juste pour faire attention aux risques en fait de l'internet. Et je vous rappelle, surtout, ayez un antivirus, c'est quand même le plus important sur un ordinateur. Juste après le VPN, si vous voulez rester anonyme, bien sûr. Et donc voilà, après ici, dans Editor Speaks, c'est seulement sur The Hidden Wiki, vous avez 4 liens où vous pouvez tout savoir, en fait, sur comment a été créé Tor, à quoi ça sert, etc. Donc un peu tout ce que je vous ai expliqué, hein, en fait, ça passe juste par un réseau caché. Enfin, en quelque sorte caché, tout le monde peut y accéder, mais vous êtes anonyme, en tout cas vous restez anonyme. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur Tor. Donc faites attention aux escroqueries. Les avantages, c'est quand même qu'on peut naviguer librement, en fait, c'est pour un internet libre. Même Anonymous y était d'accord, donc le groupe célèbre groupe de hackers Anonymous, qui en fait a lancé une campagne donc de piratage en fait sur ce site pour arrêter des pédophiles. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'était Chacha38 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez tous bien compris comment ça fonctionne, et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me demander. Moi je serai toujours là pour répondre, et même si vous avez des choses à apporter, ça sera bien aussi. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos, je suis sur Twitter et aimez ma page Facebook. À bientôt.